Eh bien salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludi World. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer déjà une excellente nouvelle. C'est que l'époque vienne de baisser de prix chez le fournisseur. Tout le monde leur avait dit, moi y compris, que c'était, c'est vrai, un petit peu cher. Maintenant ça devient vraiment très accessible, quasiment au prix de l'époque, c'est vraiment cool. Donc ça concerne la série 1 que je tiens entre les mains. Il euh, y a toujours le starter, c'est-à-dire qu'il y a 8 POG et un Kini, les petites rondelles en plastique pour pouvoir jouer euh, en retournant les piles. Et euh, les boosters de 5 POG. Donc euh, voilà, bon, à la limite, je peux vous donner les prix tout de suite. Hein. C'est 4,99€ le starter et 2,50€ le booster. Il y a naturellement des prix si vous prenez une boîte complète de starters à 49,99€, les 12 starters de mémoire. Et ensuite, vous avez différents colisages, différents lots de boosters. Vous avez des lots de 6 boosters, des lots de 12 boosters et les boîtes complètes de 24 boosters. Là, pareil, plus vous en prenez, plus le prix est réduit. Et très sincèrement, là, on atteint quand même des prix qui sont très, très corrects. Euh, j'avais remis ici un petit peu euh, les euh, POG que j'avais ouverts avec euh, avec Tom, mon garçon, la dernière fois. Je vais pouvoir enfin les ranger parce que Telling, regardez-moi ça, un album officiel POG. Je crois qu'il y en avait eu à l'époque. Euh, je ne l'avais pas eu et euh, bah, c'est vrai que sinon pour les ranger, alors on peut toujours les ranger dans des tubes, dans des boîtes, etc. Mais là le classeur c'est quand même bah, super sympa. Surtout si vous ne jouez pas avec, bah, vous aurez quand même votre belle collection de rangées. Et euh, les pages de classeur euh, de, de cartes habituelles, c'est quand même beaucoup plus grand. Les POC se baladent dedans. Et là, du coup, c'est quand même euh, bah, bien plus adapté. Il y a une couverture ici en plastique, euh, plastique un peu lisse. Oh, il y a un POC dedans Cool Ah, c'est génial euh, voilà, donc euh, bah, comme vous pouvez le voir, il y a quand même, euh, c'est combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 12 cases par page. Je ne sais pas si on peut les mettre recto-verso. Oui, on peut les mettre recto-verso. Alors tout dépend si vous voulez euh, voir le dos du POG avec la numérotation de celui-ci. Et euh, maintenant les nouvelles caractéristiques de jeu qu'ils ont euh, ajoutées à la version de 2021 libre à vous. Soit vous les doublez, soit vous les laissez euh, comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Donc vous allez ranger entre 120 et 240 pog suivant euh, que vous les mettiez recto verso ou non. Au niveau du rangement, euh, bah écoutez, on va tester ça ensemble, ça doit pas être bien compliqué. Hop, euh là voilà. voilà est ce qu'il y a non il y a bien qu'une seule ouverture je pense que c'est quand même un peu plus étudié pour en mettre qu'un seul par pochette mais si vraiment vous voulez faire l'économie de euh, plusieurs classeurs, bah écoutez ça passe hein. c'est vrai que c'est limite limite hein, mais me ça va ça passe et ben plutôt sympathique ça hop Donc, vous voyez une fois tout rangé vous aurez vos pocs comme ça dans les petites cases et puis vous pourrez euh, admirer tout ça. C'est plutôt sympa le format, euh, alors on aurait pu éventuellement espérer un grand format A4, là c'est du format A8, mais moi j'aime bien justement le petit côté euh, petit bouquin, format MOOC comme ça. Ça se glisse facilement dans un sac, vous le rangez dans une bibliothèque avec vos livres et tout. Vous avez une belle petite tranche, vous pouvez éventuellement euh, coller ici un petit stickers, série 1, série 2, etc. Euh, je profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'il y aura une série 3 de disponible dans deux mois, je crois. Mais euh, le plus important pour aujourd'hui, au-delà de la baisse de prix et de l'arrivée du classeur, eh bien c'est la série 2 Tadam Voici une boîte complète de 12 starters, hop, que je vais ouvrir, et voilà une boîte complète ça vous pouvez l'acheter directement je la fournis avec le, le petit présentoir comme ça pour votre collection c'est cool donc voilà le starter de la série 2 nous avons toujours 8 pog et un kini et on va avoir des nouvelles illustrations et voici une boîte complète de booster de la série 2 tac encore une fois si vous prenez la boîte complète naturellement je vous la donne avec euh, bah, le carton d'emballage Tac. Et voici. Hop Ah oh là là, que c'est cool. Allez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Oh, c'est magnifique. Bon écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais évidemment, on va s'ouvrir un booster. Tac. Ils ont gardé leur suremballage cartonné. Toujours point négatif euh, à mes yeux. Un petit booster comme ça, ça aurait été amplement suffisant, suffisant pardon, pour avoir... Euh, bah, je sais pas, moi je préfère les emballages comme ça que les emballages carton. Mais c'est surtout c'est inutile en fait. Mais bon. Euh, encore pour les starters, bon pourquoi pas. Ah moi j'adore, vraiment cool. Et hop le starter, bah, du coup idem. Voilà. Oh là là, ils sont vraiment vraiment très très beaux. Allez c'est parti, on va s'ouvrir un petit booster. Enfin un petit starter, complété d'un petit booster. Je vais refermer. Hop, tout de suite. On va regarder la checklist. Nous avons de nouveau 50 POG dans cette série 2. Nous en avions également 50 de mémoire en tout cas dans la série 1, répartis sur 3 niveaux de rareté. Les C c'est les versions communes, les POG très communs qu'on va retrouver très régulièrement dans les boosters. Vous avez les versions rares et les versions super rares. Nous avions de mémoire, 5 super rares dans la série 1. On en a 1, 2, 3 dans la série 2. Alors c'était peut-être que 3 dans la série 1. Tac. Et on a euh, les règles, hein. un jeu très très basique avec des nouvelles variantes apportées par les nouvelles caractéristiques de jeu qui se trouvent à l'arrière euh, des pogs. Alors. Tac. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Wow. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les kinis Alors je ne sais pas si on a des kinis... Ah bah voilà, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse, nous avons des kinis euh, similaires entre la série 1 et la série 2. Ce qui est plutôt pas mal, parce que les kinis sont relativement rares pour certains. Et euh, bah, c'est vrai que du coup les starters c'est plus cher que les... Les boosters, et on peut obtenir des kinis que dans les starters. C'est l'intérêt d'acheter des, des starters. Et du coup, si vous n'aviez pas eu les 6 ou 8 différents de la série 1, euh, bah du coup, vous avez la possibilité de, de retomber dessus visiblement sur la série 2. Du coup, a priori, il n'y aura pas de distinction. Non, c'est la même numérotation, c'est ça. Et ben, cool. Et ben d'ailleurs, j'en ai un en double, donc euh, ça ira euh, à mon fils. Et au niveau des pogs, les voici. Je ne sais plus du tout, à l'époque, euh, combien j'avais acheté de séries. Mais visiblement, c'est des reprints des pogs d'origine. Tac. Waouh. Yes. Haha. Oh, celui-là, je m'en souviens. Ouais, donc c'est bien des reprints. Tac. Yes. Oups, là celui-ci et celui-là. Alors visiblement, on a eu deux brillants. On a chopé... Truc de ouf. On a chopé le numéro 1. Et le numéro 50 Ah ouais. Ça c'est marrant ça. Numéro 1, c'est une rare. Numéro 50, une rare. Ok, on n'a pas eu de super rare. Alors là, je suis en train de mélanger déjà la série 2 et 1. C'est pas bien. Est-ce qu'il y a une distinction à l'arrière Tiens. Série 1 et 2, a priori. Euh, euh, bah, a priori, non. Ouais, c'est un peu dommage. Il y a peut-être un autre truc que j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a une différence quelque part Ah, mais oui Original Vintage et truc de ouf. Ok, il y a un sous-titre en fait. Voilà, regardez. Il y a un sous-titre pour euh, distinguer euh, sur l'époque. Donc. La série 1 c'est original vintage et série 2 c'est en mode truc de ouf. Ok. Bon bah voilà. Au moins on est fixé. Allez, on va s'ouvrir le petit booster de la série 2. On va retrouver à l'intérieur une checklist. Ça c'est pareil. Peut-être que la checklist est un peu optionnelle une fois qu'on l'a eu dans le starter. Ils auraient peut-être pu faire l'économie. Euh... Ouais. Allez. On va dire que le mauvais point, c'est... Euh, alors maintenant que le prix a baissé, naturellement. Hein, le mauvais point aujourd'hui, c'est peut-être le suremballage et, euh, et la règle dans les, euh, dans les boosters. En tout cas, vraiment la baisse de prix, c'est génial. On est quasiment au prix de l'époque avec... Euh, je crois qu'on est au prix de l'époque avec l'inflation d'ailleurs. Donc là, vraiment, euh, vraiment, c'est très, très bien, je trouve. C'est le numéro 1, euh, on l'en double. Ok. Tac. J'adore les illus de ce petit personnage. Je ne connais pas son nom d'ailleurs. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà où Tac Bon bah écoutez, je pense que je vais me prendre quelques petits boosters avec mon fiston. On va se ranger ça tranquillement dans le petit classeur. Ça c'est vraiment ultra cool aussi. Parce que bah, c'est pas si courant quand même des rangements de, de POG. Euh, voilà, même si vous avez d'autres séries de POG, vous pouvez utiliser ces classeurs-là pour ranger n'importe quel type de POG, les caps, etc. Certes, vous aurez euh, la couverture POG, mais bon, vous pouvez au pire coller des stickers, vous imprimez un truc que vous collez, enfin voilà, vous, vous faites un petit peu à votre sauce. Le sauce, pardon, le classeur, je n'en ai pas parlé. Il était au prix d'origine à 11,90, ce qui déjà, moi, je trouve pas trop mal pour ce type de classeur un peu. Un peu, enfin, d'albums un peu spéciaux. Là, avec la baisse de prix, il est à 8,99€. Donc, franchement, c'est. Voilà. Moi, là, je trouve qu'ils ont fait un super effort et, euh, et ça va permettre de se faire plaisir et de retomber dans les années 90. Et bien, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette toute petite vidéo. Je vous laisse aller euh, zioter le rayon euh, sur la boutique. Ça se trouve dans. Euh, Cadeau Geek dans le rayon tout en haut qui s'appelle Cadeau Geek et ensuite vous avez une rubrique spéciale pour les Pog. Vous avez aussi des cartes crados, vous avez des boglins, vous avez des figurines, vous avez tout un tas de, de trucs. N'hésitez pas. Allez, des bisous à tous, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Salut salut